Bonjour, bienvenue au département de chimie de l'IUT Paul Sabatier. Je m'appelle Sébastien Genta, je suis enseignant d'anglais dans ce département depuis 2005 et responsable du département depuis 2 ans maintenant. L'IUT Paul Sabatier a une antenne sur Castres et le département de chimie fait donc partie intégrante de ce site délocalisé. Alors le département accueille chaque année environ 90 étudiants de différents profils, issus de différents baccalauréats, principalement de filières scientifiques. Donc les étudiants que nous cherchons sont des étudiants qui ont quand même un goût pour les sciences, la chimie, la physique, les mathématiques. Nous avons en deuxième année des étudiants, un nombre d'étudiants à peu près à 75. Et après, nous proposons également une formation en licence professionnelle sur différentes licences professionnelles. Alors le public que l'on accueille, voilà, c'est à retenir, sont des étudiants qui ont vraiment de l'appétence pour les sciences. Alors, à l'issue de leur formation chez nous, les étudiants peuvent poursuivre en licence professionnelle sur des poursuites d'études courtes. Alors, nous avons nous-mêmes au sein du département deux licences professionnelles, une en génie de la formulation, qui se fait par le biais de l'alternance uniquement, avec comme possibilité de déboucher métier, assistant ingénieur ou technicien supérieur en chimie de la formulation, justement, dans des domaines très variés, que sont la pharmaceutique, la dermocosmétique, les peintures, encres, adhésifs. Nous portons également au sein du département une deuxième licence professionnelle, prénommée contrôle analyse qualité, avec deux choix qui s'offrent aux étudiants, par la voie de l'alternance ou en formation initiale. Alors la chimie analytique, qui est l'analyse et la détermination de molécules inconnues dans un mélange, donc leur détermination et leur quantification, avec des débouchés dans l'environnement, une fois encore la pharmaceutique, et sinon la synthèse, donc la création à l'échelle du laboratoire, de la paillasse, de molécules à visée pharmaceutique, ou des polymères, ou des matériaux. Donc ces poursuites d'études courtes correspondent à peu près à 75% de notre vivier d'étudiants et 25% d'entre eux choisissent plutôt des études longues, L3, Master ou des écoles d'ingénieurs avec lesquelles nous avons des partenariats quand même privilégiés depuis de nombreuses années, à la fois en chimie généraliste ou en chimie appliquée,